Ah, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour nous écouter vous parler de se parfumer, un acte d'humanité. Je vais commencer à vous en parler en tant qu'anthropologue et philosophe. Et Madame Marcy est psychologue et elle vous en parlera sous l'angle psychologique. Alors, avant tout, pour vous parler de ce thème, se parfumer un acte d'humanité, point d'interrogation, il faut faire référence au célèbre roman de Patrick Soskin, intitulé « Le parfum », parce que ce roman offre une représentation paroxystique de l'importance absolument primordiale de l'odeur et du parfum dans les rapports humains. Le héros, Grenouille, est venu au monde dépourvu de toute odeur et par conséquent de toute humanité. Et il est rejeté par ses contemporains qui ne peuvent pas, au sens propre du terme, le sentir. Et pour se faire accepter, il a l'idée folle de s'humaniser grâce à un parfum irrésistible obtenu par l'enfleurage, c'est une technique qu'on n'utilise plus aujourd'hui mais qu'on utilisait à Grasse, par l'enfleurage de la peau et des cheveux de belles jeunes filles vierges. Alors il doit évidemment les assassiner pour procéder à cette opération d'enfleurage. Alors son entreprise insensée va réussir au-delà de son attente parce qu'il va réussir à concocter un parfum avec les odeurs de ces belles jeunes filles, un parfum irrésistible, et l'effet est si attractif que la foule hystérique va se précipiter sur lui et le dévorer. Alors c'est tout à fait paradoxal parce qu'à la fois il s'est humanisé en sentant à nouveau et en sentant une bonne odeur, mais il va se déshumaniser parce que ça va conduire à l'acte le plus inhumain qui soit, une orgie cannibale. À l'occasion de la sortie du film qui a été tiré du roman de Patrick Soskin, le parfumeur Thierry Mugler a voulu créer une fragrance évocatrice du parfum des belles jeunes filles. Et il a confié cette tâche difficile à Braja Mukherjee. Est-ce qu'on peut passer la diapo, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut passer la diapo? Pour passer la diapositive, hein, per favore. La diapo. Ah, merci. Per me la stessa cosa. Alors, j'appuie où? Voilà. Voilà, next. Merci. Vous voyez ici Braja Mukherjee, c'est un chimiste, parfumeur qui travaillait chez IFF. IFF est une grande maison de composition qui prépare des parfums pour des grandes marques. Et ce chimiste, comme vous pouvez le constater, est indien. Et Braja Mukherjee, évidemment, en tant qu'indien, est bouddhiste. Et il a eu recours à une technique moins cruelle que celle du héros de Patrick Soskin. Pour pouvoir capturer l'odeur de belles jeunes filles vierges, il a eu recours au Headspace, ce petit appareil qui permet de capturer l'odeur des plantes aromatiques sans les sectionner, c'est-à-dire sans les tuer. Parce que Braja Mukherjee, en tant que bouddhiste, évidemment, est adepte de la non-violence et respectueux de toute vie. Alors Braja Mukherjee, pour obtenir l'odeur de ces belles jeunes filles vierges, a placé ce petit appareil sous le nombril de 6 jeunes filles qui, pendant plusieurs jours, ne s'étaient pas lavées avec du savon parfumé,
n'avait pas mangé de nourriture ayant de fortes odeurs comme l'ail, l'oignon, le fromage, et il a ainsi capturé un parfum épidermique qui sentait le lotus et qui avait des notes aldéhydées comparables selon lui à celles du numéro 5 de Chanel. Alors la fable qu'a imaginée Patrick Soskin n'illustre qu'un des aspects de l'importance considérable des odeurs et des parfums dans les relations humaines. Leur rôle est en effet essentiel aussi bien dans l'identification des individus que dans leur rejet ou leur acceptation. Toute la communication entre les hommes est tributaire de l'olfactif. Je vais vous en donner un premier exemple parce que la première relation qui se noue entre le bébé et sa mère, c'est celle qui se fait par l'odorat. Les mères reconnaissent l'odeur de leur enfant 6 heures après l'accouchement, et le bébé est capable de reconnaître l'odeur du cou et du sein de sa mère 2 jours après sa naissance. Et les informations olfacto-gustatives qui sont recueillies par le fœtus au contact du liquide amniotique facilitent cette reconnaissance précoce que l'on rencontre aussi chez la plupart des mammifères. Ce rôle d'identification que joue l'olfactif dans la relation mère-enfant est assuré également dans la relation de l'individu et du groupe. À la fin du XIXe siècle, l'ethnologue anglais Herbert Spencer avait décrit les façons de saluer de certaines ethnies comme les Maoris, les Samoans, les Philippins. Ces cultures privilégient l'odorat pour faire connaissance. Ils se reniflent le visage et se frottent le nez. La coutume arabe qui veut que l'on souffle au visage de l'interlocuteur parce qu'ignorer la laine de l'autre est conçue comme une insulte. Cette coutume relève du même principe. Il faut se rappeler que nos gènes, notre sexe, notre âge, notre alimentation, notre état de santé agissent sur le corps et ses odeurs. Et les odeurs varient d'une culture ou d'un groupe humain à un autre et offrent des points de repère aux individus. Les observations des scientifiques faites sur les animaux montre bien le rôle de l'odeur dans les relations pacifiques ou hostiles. Si l'on enduit une fourmi de l'odeur d'une tribu étrangère, ses congénères ne la reconnaissent plus et l'attaquent, parce qu'ils la considèrent comme étrangère. Alors, si les relations humaines ne sont pas soumises à la même automaticité, on observe néanmoins que l'olfaction y joue un rôle décisif. Et ça se voit dans les expressions courantes dans les langues. Je ne sais pas si vous en avez en italien, mais en français, le langage courant est particulièrement révélateur de l'importance de l'olfactif dans la communication. On dit couramment avoir quelqu'un dans le nez, ne pas pouvoir le sentir, le blairer. Le blairer, le piffer. Blairer, piffer, ça veut dire sentir. On dit aussi d'une personne vaniteuse qu'elle est puante, et de quelqu'un de trop curieux qu'il fourre son nez partout. À l'inverse, on dira d'une personne clairvoyante ou intuitive qu'elle a le nez creux ou qu'elle sent bien les choses. La culture arabe désigne aussi la personne aimée comme celle dont la fragrance est délicieuse. Et lorsqu'on n'aime pas une personne, dans la culture arabe, on la désigne comme celle dont l'odeur est mauvaise. Vous voyez l'importance de l'olfactif dans la communication. De tout temps, l'odeur a été le support et le prétexte
de multiples discriminations individuelles, sociales et raciales. Et le nez est un organe social qui opère des sélections et détermine des distances entre les individus de façon immédiate. Et qu'il s'agisse de répulsion ou d'attirance, il prend ses décisions en dehors de l'influence de la conscience, de la morale et de l'esthétique. Et ça donne à ces décisions un caractère irrévocable. Alors, les odeurs réelles et imaginaires ont toujours servi à stigmatiser certaines catégories professionnelles ou sociales. En France, au XVIe siècle, les corps de métier qui étaient voués à des tâches malodorantes, comme les corroyeurs qui faisaient les cordes, les tanneurs qui s'occupaient des peaux de bêtes, vous savez, pour faire des sacs, les fabricants de chandelles étaient qualifiés de métiers immondes et vils. Et à la même époque, des mesures d'exclusion, en temps d'épidémie, on demandait aux prostituées, qu'on appelait les putains publics, leur nom vient du latin putida, qui veut dire puante, on demandait aux prostituées de sortir de la ville. On ne voulait pas qu'elles restent dans la ville, parce que leur nom renvoyait à la fétidité. Et au XVIIe siècle, la puanteur des pauvres était accusée de propager les épidémies. Et ces accusations ont eu des conséquences dramatiques à Nîmes. Nîmes, c'est une ville du sud de la France. Les pauvres, en 1646, ont été emmurés dans les arènes jusqu'à la fin de la peste. Alors, l'odeur a toujours été aussi un obstacle dressé entre les peuples et les races. Au 5e siècle, dans la Gaule, la France du 5e siècle, le poète Sidoine Apollinaire se plaignait des odeurs d'ail et de beurre rance des envahisseurs, Burgondes. Alors, cette attribution à l'ennemi ou à l'étranger d'une mauvaise odeur est très répandue. Vous voyez ici un aubergiste qui ramène à son navire un client étranger qui a fait un repas très copieux, et vous voyez l'aubergiste qui se bouche le nez parce que c'est un étranger et donc il sent mauvais. Et dans certains pays, l'étranger est même appelé celui qui pue. Et pour être intégré, il faut qu'il perde ou dissimule son odeur et se conforme à la norme olfactive ambiante. Et ces petits objets que vous voyez ici, ce sont des aspersoirs arabes. Et ces aspersoirs avaient pour fonction d'arroser la personne étrangère qui rentrait dans la maison et de lui ôter symboliquement son odeur et de lui faire acquérir l'odeur de ses hôtes pour son intégration. Et pour ce faire, on répandait de l'eau parfumée à la rose ou à la fleur d'oranger sur sa tête, son visage et ses mains. Ça, c'est un aspersoir du XIIIe siècle. Ça, c'est un aspersoir du XVIe siècle qui est couvert d'émeraudes et de rubis. Inversement, l'odeur joue un rôle essentiel dans l'attrait entre les êtres. Et la psychanalyste Françoise Dolto disait aux gens qui envisageaient de vivre ensemble, les gens qui voulaient se marier ou les couples qui voulaient vivre ensemble, elle leur disait « Est-ce que vos odeurs s'accordent ?» Parce que si vos odeurs ne s'accordent pas, c'est même pas la peine d'essayer de vivre ensemble. Alors cette question, évidemment, peut s'entendre des odeurs corporelles, mais aussi des parfums dont on parfume le corps. Le mythe grec de la panthère parfumée. Vous voyez ici une mosaïque que l'on trouve à Délos en grec, qui représente une panthère. Et ce mythe grec est très révélateur de la puissance de séduction des odeurs corporelles et des parfums. De nombreux auteurs grecs l'ont évoqué.
Selon Théophraste, la panthère exhale une odeur qui est agréable à toutes les autres bêtes. C'est pourquoi elle chasse en se tenant cachée et en les attirant vers elle grâce à son parfum. Or, pour les Grecs, la panthère symbolise aussi la belle courtisane qui se parfume et qui attire les hommes par ses parfums. La panthère, l'animal, et la belle courtisane sont désignés par le même terme, pardalis. La bonne odeur du félin est le symbole de toutes les séductions, de toutes les captures. Grâce à son parfum, la panthère va croquer ses victimes, qui sont les gazelles, les éléphants, et la courtisane est une croqueuse d'hommes. La force attractive des odeurs corporelles et des parfums a été de très, très, très nombreuses fois évoquée dans la littérature. Et certains psychiatres du XIXe siècle mettaient déjà en garde contre les coups de foudre olfactifs qui pouvaient engendrer des comportements incontrôlables. Ils disaient par exemple que lorsqu'on aimait l'odeur de quelqu'un, on pouvait être entraîné à l'épouser même si on n'aimait pas la personne. De tout temps, le parfum a été un instrument de séduction. Vous voyez ici la toilette d'Esther, c'est la Bible en parle, la jeune Esther qui va rencontrer le roi Assuérus. Pour le séduire, on va l'amasser pendant 6 mois avec un parfum à la myrrhe. Et selon des chroniques anciennes, Cléopâtre, pour séduire Jules César, le Romain Jules César, s'était enduite de parfums très capiteux. Dans la Rome impériale du 1er siècle après Jésus-Christ, tout un quartier était consacré aux parfumeurs. À Rome, il y avait évidemment à cette époque énormément de parfums. Et l'un de ces parfumeurs, qui s'appelait Niceros, était très célèbre grâce au parfum aphrodisiaque qu'il composait et qui, disait-on, rendait le lit heureux. Alors, je vais vous faire sentir un de ces parfums qu'on appelle le foliatum. Qui a été recomposé par un grand parfumeur qui s'appelle Dominique Ropion. J'ai donné à Dominique la recette de ce foliatum que j'ai trouvé chez Pline l'Ancien. Dans son histoire naturelle, 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, dans ce foliatum, il y a du nard, c'est une herbacée qui vient d'Inde. Merci, mademoiselle. De l'huile de benne, le benne, c'est une sorte de noisette. Du jonc odorant, de la myrrhe, du coscus, du baume de Judée. Le baume de Judée, c'est un produit qui était extrêmement coûteux à l'époque et que les parfumeurs n'utilisent plus. Dominique Ropion a pu en avoir parce que chez IFF, c'est un parfumeur, un maître parfumeur de chez IFF, ils ont une très grande bibliothèque de parfums. Je te le ferai sentir tout à l'heure. Tiens. Cette recherche de parfums captateurs a traversé les siècles. Au XVIe siècle, il y avait un parfum qui avait une grande notoriété parce que c'était un parfum qui était censé attirer, un parfum aphrodisiaque. Alors, ce parfum comportait du gingembre, du poivre, du musc, de la cannelle. Mais le cœur de ce parfum était composé des tubercules d'une plante de la famille des orchidées. Et ce parfum s'appelle le satyrion. Et vous allez voir la plante. Ça, c'est un flacon romain, le flacon dans lequel on mettait le foliatum que vous sentez. Et vous voyez ce parfum de la Renaissance. Vous voyez ces petites bourses tout en bas. La plante qui était utilisée s'appelle le satyrion.
et ses petites bourses portaient le nom imagé de couillon de chien ou encore de couillon de renard. Et donc, on pensait que cette plante avait des pouvoirs aphrodisiaques très importants. Alors, cette recette du satyrion, je l'ai découverte dans un herbier latin d'une bibliothèque à Lyon. Pour attirer hommes et femmes, il fallait s'en enduire. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est difficile de trouver ça dans le commerce, mais... Ah, elle n'a pas fini. Non. Voilà. Voilà, satyrion, diazatyrion. Voilà. Ça, c'était un parfum aphrodisiaque que l'on trouvait au XVIe siècle. Alors, il y avait à la Renaissance beaucoup de parfums aphrodisiaques. L'alchimiste Cornelius Agrippa préparait des parfums aphrodisiaques avec des roses, du musc, de la civette, mais aussi du sang de chat, de cigogne, d'hirondelle ou de chauve-souris. Donc vous voyez, introduction dans les parfums aphrodisiaques de substances, de sécrétions et de substances animales, comme le sang. Et au XVIIe siècle, voilà, ça a été trempé là. Non, elles sont trempées. Sentez-les, s'il vous plaît. Le deuxième, je disais, sentez-les. Vous pouvez le sentir. D'autres. Vous en voulez d'autres? C'est le diazatyrion. Oui. Ah, d'accord. Je vais le faire sentir. Ah, merci Marianne. Oui. Alors, au XVIIe siècle, il y avait beaucoup de parfumeurs qui faisaient des parfums aphrodisiaques, notamment cette femme qu'on appelait la voisin qui habitait Paris et qui préparait pour la maîtresse du roi Louis XIV des parfums aphrodisiaques. Et cette femme, la voisin, elle a été même arrêtée et brûlée vive. Alors, l'époque contemporaine parle toujours de la fonction séductrice du parfum, et les noms choisis par les parfums, comme « N'aimez que moi »,« Aimez-moi » de Caron, « Amor amor » de Cacharel, « In love again » et « Déclaration » de Cartier, Désiria de Bulgarie ou encore Nuit d'amour de Guerlain sont porteurs de ces messages d'amour des parfums. Et dans les années 1960, la découverte des phéromones, les phéromones ce sont des substances volatiles qui déclenchent l'attraction sexuelle chez les animaux, cette découverte a posé la question de savoir si nous, les humains, on pouvait être attirés à notre insu par certains signaux chimiques volatiles. Alors, des scientifiques se sont intéressés à cette question et à partir de leur investigation, certains fabricants américains ont mis au point des parfums soi-disant aphrodisiaques réalisé avec des phéromones humaines, vous voyez. Ça, c'est des publicités pour les parfums aphrodisiaques aux phéromones qui doivent exercer une attraction irrésistible. Mais ces parfums aphrodisiaques avec des phéromones, leur efficacité est très contestée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces parfums aux phéromones renouent avec le vieux mythe des parfums aphrodisiaques qui étaient élaborés par les alchimistes et dont je vous ai un peu parlé. Et en consultant les recettes des alchimistes, je me suis aperçue que ces parfums alchimiques aphrodisiaques
recelait des sécrétions animales et humaines comme le sang, la sueur ou l'urine, où l'on a précisément décelé ou cru déceler des phéromones. Donc pour qu'il y ait parfum aphrodisiaque, il faut qu'il y ait dedans des substances animales et humaines. Il est certain que nous, humains, on parfume de façon caractéristique la couche d'air qui nous entoure, et le fait de sentir l'odeur de quelqu'un, c'est la perception la plus intime que l'on peut avoir de quelqu'un, c'est son odeur. Parce que l'odeur de l'autre, quand on la sent, elle pénètre en nous, et c'est ce que dit Sartre lorsqu'il dit « l'odeur d'un corps », le philosophe Sartre, vous savez, « l'odeur d'un corps, c'est ce corps lui-même que nous aspirons par la bouche et le nez, que nous possédons d'un seul coup, comme sa substance la plus secrète. » L'odeur d'un corps, c'est ce qu'il y a de plus secrète, de plus sexuel, de plus érotique dans une personne. « L'odeur en moi, c'est la fusion du corps de l'autre à mon corps. » Et c'est pour ça que l'odeur et le parfum laissent, après la disparition d'un être cher, laissent une trace mémorielle très, très importante. D'autant plus que l'odorat a des liens très étroits avec la zone du cerveau impliquée dans la mémoire et les émotions. Et il y a quelques vers qui ont été écrits par ce poète chinois qui s'appelle Li Po, au 8e siècle de notre siècle, qui montre bien l'importance de l'odeur, l'importance du parfum pour laisser une trace dans la mémoire et le cœur. Alors Li Po écrit « Il y a 3 ans que tu es parti et le parfum que tu laissas hante ma solitude. Le parfum est pour toujours répandu en moi. Mais où es-tu, bien-aimé ? » Vous voyez comme le parfum laisse une trace dans la mémoire et dans le cœur. Et donc le parfum, se parfumer, ça, c'est en effet là un acte d'humanité, parce qu'on reste avec les humains, même une fois qu'on a disparu, grâce au parfum. Et nombreux sont les écrivains et les poètes qui ont été sensible à ce pouvoir de laisser une trace dans la mémoire et dans le cœur. C'est le cas de l'écrivain George Sand. Sa maison à Nohant, elle avait un superbe jardin avec beaucoup de fleurs. Vous voyez ici cet écrivain George Sand. Elle était très sensible aux odeurs et elle a souvent été caricaturée parce qu'elle avait un grand nez et elle-même se moquait d'elle en s'appelant Pifouel, Pifouel, Pif, le pif c'est le nez. Hein. Et lors de sa séparation avec son grand amour Alfred de Musset, elle va demander à ce poète, qui était un poète très connu, alors ils se sont séparés à Venise, elle est restée toute seule à Venise, mais elle regrettait son amant, et elle lui a demandé de lui envoyer le parfum au patchouli qu'elle portait au temps où ils étaient amants. Et elle écrit à Musset, « Le parfum de l'âme, c'est le souvenir. L'affection d'un absent n'est plus qu'un parfum, mais qu'il est doux et suave. Ce parfum, je le serrerai dans mon cœur silencieux comme une essence subtile, dans un flacon scellé. » Vous voyez combien le parfum permet de garder le souvenir d'un être qu'on a aimé et de rester en contact avec lui. Alors, il y a quelques années, j'étais dans le pays où vivait George Sand et j'ai rencontré son héritière qui m'a confié un flacon qui avait appartenu à George Sand. Et dans ce flacon, il y avait un reste de parfum
J'ai remis ce flacon à ce grand parfumeur qui travaille chez IFF et qui s'appelle Dominique Ropion, et je lui ai demandé de reconstituer à l'identique ce parfum. Alors, il ne pouvait pas ouvrir le flacon parce que le bouchon s'était collé. Et pour pouvoir récolter le parfum qui était dans le flacon, il a fait une micro-perforation, il a fait un petit trou sous le flacon pour recueillir les restes. Ces restes de parfum ont été analysés par chromatographie et spectrométrie, et il a pu reconstituer à l'identique ce parfum porté par George Sand, que vous allez pouvoir sentir, parce que les parfumeurs auxquels faisait appel George Sand, qui aimait énormément les parfums, elle disait d'ailleurs que son seul luxe, merci beaucoup, c'était le parfum. Les parfumeurs auxquels elle faisait appel ont tous disparu et on n'a plus du tout d'archives. Et ça, c'était une chance de retrouver un parfum qu'elle avait porté grâce à ce petit reste de parfum qu'on a retrouvé dans ce flacon. Attendez, je vais retrouver le flacon. Qu'on a retrouvé dans ce flacon. Alors, dans ce parfum, il y a de la rose, de l'iris, du vétiver, du patchouli, du ladanum, de la civette, du benjoin, de l'ylang-ylang, de la cannelle, de la bergamote, du jasmin, du santal et du castoreum. Le castoreum, c'est une substance animale qui vient du castor. Les parfumeurs ne l'utilisent plus aujourd'hui, mais c'était utilisé dans les parfums aphrodisiaques, le castoreum. Et il y a une maison de parfums, mais je n'ai pas le droit de dire son nom, qui va relancer ce parfum à la rentrée. C'est un parfum très coûteux. Je n'ai pas le droit de dire le nom, mais vous pourrez le trouver dans le commerce. Ils font des choses rares. Cette maison fait des choses très artistiques. Vous voyez combien le parfum peut avoir justement d'intérêt pour laisser une trace dans la mémoire de ceux qu'on aime. Et l'écrivaine Colette était très sensible à cette trace mémorielle que laisse le parfum. Et Colette écrit: une tombe, c'est rien qu'un coffre vide, une tombe. Celui que j'aime et qui a disparu est tout entier dans le mouchoir encore parfumé que je déplie. Vous voyez combien l'odeur peut ressusciter le souvenir de quelqu'un. Alors on songe, en entendant tout ça, au philosophe Roland Barthes qui dit: de ce qui ne reviendra plus, c'est l'odeur, le parfum qui me revient. Alors, cette capacité des odeurs à faire ressurgir le passé est si forte qu'elle est utilisée dans certains hôpitaux. Et à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, on se sert depuis plusieurs années des parfums pour aider les patients qui ont été dans le coma à retrouver la mémoire des mots. On leur fait sentir des parfums de fleurs, de mer, de foin, de bois, de biscuits. Et lorsque l'odeur provoque chez le patient un choc émotionnel, le mot ressurgit. Alors, cette thérapie par les parfums n'est pas une nouveauté, parce que pendant plusieurs millénaires, on s'est soigné avec les parfums. Mais aujourd'hui, les parfums sont surtout utilisés pour humaniser la maladie. À la différence des moralistes, des philosophes, des psychanalystes qui ont méprisé l'odorat, les médecins se sont toujours intéressés aux odeurs et aux parfums parce qu'ils considéraient que les mauvaises odeurs pouvaient apporter la maladie et que les bonnes odeurs pouvaient soigner. Les bonnes odeurs des plantes pouvaient soigner. Et il y a un Italien de la Renaissance que vous connaissez tous,
Girolamo Cardano, qui disait « L'odeur, le parfum, seul entre les choses sensibles, peuvent ou tuer ou recréer l'homme. » Il avait été sensible à ce pouvoir de vie et de mort de l'odeur et du parfum. Et cette conviction, elle existait aussi en France. Et un médecin de Louis XIV disait par exemple que toute la vertu des médicaments ne consistait que dans leur parfum. Alors aujourd'hui, les parfums sont moins utilisés dans les hôpitaux que par le passé, mais il y a un retour des parfums très remarqué dans les hôpitaux. Et un retour qui est en relation avec les découvertes récentes qui concernent le fonctionnement de l'odorat. Pourquoi ? Parce que l'odorat est directement relié au système limbique, dont dépendent nos émotions. Et l'inhalation d'huile essentielle permet un rééquilibrage de nos émotions. La peur, le stress, le manque de confiance en soi, la colère, la difficulté à se concentrer, les pertes de mémoire peuvent être atténuées de cette façon et apporter un sentiment de bien-être. Alors, les thérapies olfactives se développent aujourd'hui et à la croisée des chemins de la parfumerie et de la médecine, on voit par exemple des scientifiques comme Olga Alexandre, elle est neuroscientifique et biochimiste, elle s'est intéressée à l'influence des odeurs sur les comportements. Et elle a établi, avec l'École supérieure du parfum et plusieurs parfumeurs italiens, français, allemands, une thérapie olfactive pour pouvoir faire un travail sur soi et sur les émotions. Et sa démarche est au cœur de l'action humanitaire Parfum des anges, qui est conduite à l'hospice des enfants de Minsk. Et pour chacun des enfants cancéreux, est préparé un parfum sur mesure, d'après ses goûts olfactifs. Et ce parfum sur mesure permet à l'enfant de mieux combattre la maladie. Il se raccroche à ce parfum comme à une bouée. Et ça atténue son stress. Et il dort mieux, il peut mieux manger. Vous voyez, ça, c'est le logo de cette association Parfum des anges. Vous voyez ici des enfants cancéreux pour lesquels ont été faits ce parfum sur mesure. Chaque enfant a un parfum sur mesure. Vous voyez ici un enfant humant son parfum personnel et il sourit. De plus en plus de parfums visent aujourd'hui à procurer un bien-être profond. Le plaisir de sentir bon est prolongé par celui de se sentir bien. Et certains parfumeurs au sein de petites structures sont tentés par une approche qui renoue avec les fonctions thérapeutiques de leur art. Et on voit apparaître des parfums apaisants, relaxants, énergisants, dynamisant. Toutes ces réalisations sont le signe que les parfums qui soignent ou apportent du bien-être sont en train de regagner leur place dans la parfumerie et la pharmacie de nos sociétés. Et ils contribuent à illustrer la belle formule du philosophe Hegel, une formule qui exprimait parfaitement cette connexité entre parfum et humanité. Hegel disait « L'homme est un parfum délicat qui imprègne la conduite entière ». Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions à poser, vous avez des questions ? Oui. À l'identique. C'est le parfum de George Sand. C'est à l'identique.
Je n'ai pas le droit de le dire, mais ce sera l'identique aussi. Comment ? Adapté à la législation. Alors, dans ce parfum, il y a... Je vous ai donné les ingrédients. Hein. Oui, oui. Adapté à la législation, bien sûr. D'accord. Donc, la version qu'on a sentie, c'était l'historique, et ils vont le reformuler pour le lancer sur le marché. Adapté à la législation, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous le porteriez, ce parfum ? C'est Dominique Ropion qui l'a fait. C'est très beau. Oui. C'est un parfum très coûteux, hein. Je m'empresse de vous le dire. Il n'est fait qu'avec des produits naturels. Oui. J'aurais une question sur la part de la familiarité sur l'adoption et les préférences olfactives. Et on a vécu ces dernières décennies une globalisation des préférences olfactives. Attendez, je vous entends très mal. Alors, on a vécu une globalisation des préférences, en fait, des parfums qui sont vendus dans le monde entier. Culturellement, il y a des préférences olfactives par région. Est-ce que vous voyez une resurgence ou un renouveau de préférences olfactives plus régionales? Là, c'est par rapport au parfum. Bah, avec la mondialisation du parfum, il y a évidemment une uniformisation du parfum, surtout avec les tests consommateurs qui visent à enlever telle facette qui ne plaît pas à telle population, telle autre qui ne plaît pas à une... si les femmes allemandes n'aiment pas cette facette, on l'enlève. Si les anglaises n'aiment pas cette facette, elles l'enlèvent. Donc, on en arrive à faire des produits consensuels qui manquent d'originalité. Mais évidemment, il y a une banalisation et une uniformisation du parfum. Néanmoins, en interrogeant les parfumeurs, ils me disent que lorsqu'ils introduisent, par exemple, des parfums dans tel ou tel pays, ils réintroduisent certaines facettes qui correspondent au goût olfactif de leur culture. Merci. Oui, je vous en prie. D'autres questions ? D'autres questions ? Eh bien, je vais laisser la place à Maria Teresa Marcy, qui est psychologue, et qui va vous parler des aspects psychologiques de notre thème. Merci beaucoup, Annick, et bonjour à tous. Je parlerai en italien, et alors s'il y a des personnes qui ne parlent pas italien, on peut avoir la possibilité de m'écouter. Buongiorno a tutti. Profumarsi è un gesto antico che ha attraversato i tempi sino ad oggi, e noi sappiamo, anche grazie agli studi di Madame de Guerrer, che il profumo ha tre funzioni essenziali: la funzione rituale religiosa, quella terapeutica e infine quella seduttiva. Ecco. E quella seduttiva. Noi oggi in questa parte di conferenza ci soffermeremo soprattutto su questo aspetto, quello seduttivo. E per farlo dobbiamo partire da... Allora... Oui, ça c'est des ouvrages que j'ai écrits, excusez-moi. Oui. C'était pas terminé, voilà. Oui, c'est terminé. Voilà. Non ci sono le diapositive della seconda parte, può essere? Ah, il faut passer à ton... À ton diaporama. Ok, no, le avevo... Sì, grazie. Ma noi continuiamo anche senza le diapositive, non è un problema, siamo abituati.
adattarci. Allora, dicevo, sarà un pochino più discorsivo, dunque, senza diapositive, che nel 1810 Napoleone, con un decreto imperiale, ufficializzò definitivamente la separazione fra la farmacia e la profumeria. Quindi è esattamente da quel momento che la funzione terapeutica e quella seduttiva si separano. Poi c'è stata l'alleanza con la chimica e con l'industria che stava nascendo, e questo capite bene che ha agevolato la produzione di quantità di profumo maggiore e anche un profumo che fosse meno monotono, perché gli aldeidi, ad esempio, hanno permesso di strutturarlo in modo più complesso. Ed è, a mio parere, il profumo da quel momento ha acquisito una funzione psicologica, sia individuale che collettiva. E nella mia mente c'è un'immagine che è molto chiara, ed è l'immagine di una fotografia di soldati americani che pochi giorni dopo la liberazione di Parigi facevano la coda in Rue Cambon a Parigi, alla boutique Chanel, per acquistare il famoso Chanel numero 5, che non sarà di nicchia, ma è comunque il profumo più conosciuto al mondo. Ecco, per me quell'immagine è proprio un simbolo dei tempi che stavano cambiando e che sono cambiati. E in un certo senso potremmo dire che la funzione psicologica è un a priori di quella seduttiva. E dobbiamo tornare al significato originale della parola sedurre, al significato etimologico, che deriva da seduco, dal latino, e significa attrarre a sé, avvicinare. E se pensiamo ai profumi, questo è più che mai vero. Il gesto di profumarsi non è banale, tuttavia, e credo sia nell'esperienza di tutti, se chiediamo a qualcuno perché ti profumi, le risposte saranno molto semplici, persino troppo, e cioè perché mi piace, perché amo le fragranze, perché mi piacciono i profumi. E anche se si chiede in modo più specifico perché ami quella fragranza, anche a persone che conoscono evidentemente le fragranze, le risposte sono per lo più, noi diciamo, cognitive, perché io amo quell'essenza, amo la rosa quando è metallica. Ma in effetti tutte queste risposte sono di tipo edonistico, cioè rimandano più che altro a qualcosa che ha a che fare con un piacere profondo. E se mai ce ne fosse bisogno, questa è la prova provata di due situazioni. La prima è appunto quella che dicevo, e che noi rispondiamo istintivamente, e per fortuna direi, al principio di piacere. E la seconda è che le nostre preferenze olfattive non sono innate, sono inconsce. Ed è comprensibile che sia così. Avevo una diapositiva molto bella che rappresentava il cervello e che mostrava proprio il sistema limbico, come accennava prima la dottoressa Legerer. È straordinaria e anche un po' misteriosa, diciamo, la traiettoria che segue un odore e quindi anche un profumo, perché viene proiettata direttamente nel sistema limbico, non è mediata da altre strutture. Questo cosa significa? Che arriva attraverso il bulbo olfattivo direttamente nella parte più antica del nostro cervello, dove ci sono l'amigdala, che ha a che fare con la rielaborazione, con le emozioni, dove c'è l'ippocampo che si occupa che si occupa, vediamo, volevo mostrarvela perché è molto interessante, ecco, che si occupa, l'ippocampo si occupa delle memorie a breve termine, ed entrambi, anche se sull'immagine non è chiarissima, sono anatomicamente prossimi alla corteccia olfattiva primaria. Quindi è tutto lì, c'è una contiguità che è proprio fisica. Sarà poi il talamo, in un secondo momento, a preoccuparsi di trasmettere queste informazioni fisiche, io direi neuroendocrine,
alla corteccia prefrontale. E allora lì avremo l'elaborazione, quindi potremo dire, ah sì, mi piace quel sentore perché è sfaccettato, perché è monotono, perché... Ma le sensazioni, le percezioni, le sensazioni e le emozioni arrivano prima. L'elaborazione cognitiva è solo successiva a questo. Quindi, dicevamo, i profumi non fanno eccezione, perché sono degli odori, sono pensati, sono creati, sono costruiti, ma rimangono degli odori. E la loro vocazione, quella più recente, è proprio quella seduttiva, come si dicevo. Non è scontato, perché se noi guardassimo, e lo facciamo ora, se noi pensiamo ad esempio ai bambini, la situazione è molto diversa. Sappiamo che un bambino, per esistere, quando nasce, ha bisogno di essere nutrito, e per farlo lui segue istintivamente l'odore del seno della madre, si attacca al seno e ne trae nutrimento. E anche ha un legame intenso ed emotivo con la madre, un legame che lo fa sentire parte di un tutto. Solo in un secondo momento egli scoprirà, non cognitivamente, perché questo non è ancora possibile, ma scoprirà che lui è qualcosa di diverso, il suo corpo e la sua vita psichica sono altri rispetto a quello della madre. Ecco, dovete sapere che i bambini, se li avete, se avete avuto modo di parlare con loro, non amano in linea generale i profumi. Loro preferiscono dei profumi più monotoni, di solito floreali, oppure più golosi, e comunque molto semplici. Ed è anche vero però che hanno una sensibilità olfattiva che è molto intensa e che tollera meglio i cattivi odori. Perché li tollerano meglio? Perché non hanno ancora sviluppato una sensibilità estetica. E a questo punto direi che, vediamo, ecco, questo è quello che stavo dicendo. Il discorso è ancora diverso per gli animali. Gli animali hanno una sensibilità olfattiva straordinaria, se pensiamo ad esempio ai cani, ma noi sappiamo che i cani possono avere un certo interesse, una certa curiosità per i profumi, ma non un vero interesse, perché per l'animale un profumo, un odore, è interessante solo se ha un significato biologico. Quindi se gli fa capire che quel territorio è suo, se gli fa intuire un pericolo. Ma i profumi non sono interessanti. Perché vi racconto questo? Perché questo ci fa capire che le nostre preferenze olfattive non sono innate, sono apprese. E questo lo diceva Engen, Trygg Engen, è stato uno dei più grandi olfattologi, morto nel 2009, e parlava appunto di un apprendimento associativo. La definizione è molto interessante, io ve la semplifico. Noi apprendiamo dalla sensibilità estetica e tendiamo ad associare degli odori, e quindi anche dei profumi, a delle esperienze, a delle cose, a delle persone, che siano positive o negative. Quindi dicevamo, la scelta di una fragranza non è banale. E per tornare al punto, vorrei anche dare un'ultima precisazione. Spesso ci sono stati esperimenti, e questo è molto importante per voi se vi occupate di questo mercato, che hanno somministrato delle essenze sotto soglia, cioè essenze, profumi, odori. Cioè le persone nel gruppo sperimentale non si rendevano conto di sentire odori, però hanno trovato delle alterazioni poi importanti nei loro tracciati elettroencefalografi e poi hanno trovato delle alterazioni nel tono dell'umore. Quindi gli odori e i profumi letteralmente ci appartengono. Arriviamo ad un discorso che trovo particolarmente interessante, e cioè
quello della comunicazione, cioè gli odori ci appartengono e sono una componente fisiologica, un modo di adattarsi all'ambiente esterno. Per quanto riguarda le fragranze e i profumi, sono un modo di comunicare gli odori dei nostri corpi, ad esempio. Per quanto riguarda i profumi, sono essi stessi un modo di comunicare. E soprattutto i brand di nicchia, spesso in questi anni, ho sentito spesso dire noi non facciamo comunicazione. E questo è un grandissimo, riguardo al dottor Levi, è un grandissimo errore, è un po' ingenuo dirlo, perché i visitatori che arriveranno nei prossimi giorni si avvicinano a un brand di super nicchia, qualsiasi esso sia, con un'idea ben precisa. Quindi non solo perché le fragranze possono essere straordinarie, ma perché si sono fatti un'idea, e se lo sono fatti adesso, che siamo nel 2022, attraverso il sito, attraverso il servizio clienti, attraverso il punto vendita, perché la relazione è quello che fa la differenza. Anche nel 2022, sarà banale dirlo, ma nei primi 3 anni, Chanel numero 5 non ha fatto alcun tipo di comunicazione, dopo sì, dopo sono stati ceduti i diritti, insomma, la storia è complessa e affascinante. Però questo discorso del non facciamo comunicazione è letteralmente impossibile. C'è un assioma della comunicazione che dice, il primo, non è possibile non comunicare. Quindi se avrete la possibilità di ascoltare i commenti dei visitatori nel prossimo giorno, potrebbe essere molto molto interessante. Profumarsi è un atto d'umanità? Questo è il titolo di oggi. Allora, per farlo io vorrei fare una brevissima parentesi raccontandovi brevemente la mia esperienza clinica durante i primi 6 mesi del 2020, quando tutti siamo stati sconvolti dal Covid. Perché? Perché io parto dal presupposto che profumarsi sia un gesto seduttivo. Ecco, diciamo che in quei mesi di seduzione ce n'è stata molto poca. E quindi i pazienti, noi avevamo l'obbligo di mantenere distanze, molti di noi, io ero una fra questi, continuavano a lavorare perché io faccio clinica anche, e quindi si ricevevano pazienti che nel giro, che io ho visto stravolgere nel giro di poche settimane, cioè persone che arrivavano curate, profumate, quasi sempre arrivano in terapia, arrivavano in condizioni psicologiche ma anche fisiche e qualche volta igieniche, non proprio ottimali. Quindi direi che in quel momento le paure più importanti non erano legate al modo di apparire o alla possibilità di sedurre, di attrarre a sé gli altri, ma erano 3: la paura di essere contagiati, la paura di essere ricoverati, la paura di essere intubati, la paura di morire lontani dalle persone care. Ecco, diciamo che per usare una metafora c'era, a parte gli odori di disinfettanti che circondavano tutti noi, ma un odore mortifero. E dunque molti di loro, come ben saprete, hanno perso l'olfatto, che è un disturbo che viene chiamato anosmia, e anche il gusto, un disturbo che viene chiamato ageusia. Ed erano assolutamente disorientati. La perdita dell'olfatto è un qualcosa che io ho potuto vedere. Quando i pazienti erano ammalati, ovviamente io li seguivo online. Spesso erano soli, isolati, perché a volte le case non erano sufficientemente grandi, non c'era un secondo bagno, una seconda stanza. L'aggettivo che io ho sentito ripetere spesso è questa perdita di olfatto, il fatto che io non senta niente è stranissimo, è disorientante. Peggiorava molto la loro situazione perché non riuscivano a mangiare. Ovviamente anche il gusto era alterato, gusto e olfatto sono contigui. Però il non riuscire a nutrirsi lì, mi dicevano letteralmente, io mastico cibo ma lo faccio perché devo farlo, ma non sento niente. Quindi vedete che anche in questo il gusto e l'olfatto rispondono attraverso delle funzioni di base che sono il nutrirci, rispondono al principio di piacere. Vediamo se c'è qualche diapositiva che ci può essere utile. Ecco, questo è, ve lo anticipo, uno studio del 2020
che europeo in 12 strutture ospedaliere ha evidenziato deficit olfattivi nell'85,8% e anche gustativi. Allora, tutti quando abbiamo un raffreddore abbiamo perso il senso dell'olfatto. La differenza con il Covid è che l'olfatto tornava dopo la remissione della malattia, quindi circa 15 giorni. Quindi le persone rimanevano per dei periodi piuttosto lunghi senza sentire nulla. Non sapendo cosa fare, veramente nessuno lo sapeva, ho utilizzato quello che conoscevo e quindi ho chiesto ai miei pazienti da remoto di esporsi quotidianamente a degli odori, odori familiari, quindi odori di cibi che venivano preparati per loro, odori ad esempio di indumenti portati dalle persone più care, e odori di detersivi per vedere la reazione trigeminale e infine anche di profumi. Il profumo, io ho chiesto loro di portare il profumo che indossavano fino a prima del Covid. E la cosa straordinaria, mi dicevano, non sento niente. Allora tutti hanno poi l'hanno recuperato. Non so quantificare quanto questa forma di esposizione li abbia aiutati. Però la cosa di cui ero e sono certa è che anche quando non vengono sentiti, se c'è un bulbo olfattivo che funziona, tutto viene proiettato nel sistema limbico e quindi viene riconosciuto. Allora, profumarsi è un gesto di umanità, lo è assolutamente. I profumi, per quanto mi riguarda, li considero un'evoluzione culturale degli odori. I profumi sono pensati prima, creati e costruiti da umani per umani. Ed è affascinante questo perché noi abbiamo la possibilità e la volontà qualche volta di alterare il nostro odore naturale. Tutti noi nasciamo con un odore che nostra madre riconosce. E poi con i profumi andiamo ad alterarlo. Possiamo cambiarlo. E questo è affascinante. Grenouille, di cui parlava prima la dottoressa Leguerel, forse voleva essere, questa è l'idea che mi sono fatta io nel corso del tempo, divorato da un'onda primordiale, e psicologicamente avrebbe un senso, perché avere un odore straordinario, unico, è in fondo, per chi ama i profumi, che è sempre alla ricerca del profumo perfetto, avere un odore perfetto è un qualcosa che da un punto di vista edonistico e narcisistico ha un grande impatto su di noi. Quindi noi ci profumiamo perché ciò ci rende attraenti al mondo. Così pensiamo, che sia un pensiero conscio o che sia inconscio. Dunque, il profumo e l'olfatto sono importanti anche per un altro motivo. Nel corso dei secoli sono stati ritenuti, l'olfatto è stato ritenuto e gli odori poco affascinante perché primitivo e sessuale. E io aggiungerei perché è poco utile, cioè molto distante da ciò che è simbolico, da ciò che è verbale e da ciò che è imago, immagine. Ma noi non siamo solo parte cognitiva, noi prima di tutto siamo emotività ed è proprio l'emotività che ci permette poi di elaborare meglio, di entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde. È anche vero che chi ama profumarsi ha una memoria olfattiva così precisa che potrebbe raccontarvi la vostra vita, la sua propria vita, a seconda delle fasi di vita che ha attraversato usando un determinato profumo. Quindi sì, io in quel periodo in cui, non so, mi sono sposato, ho avuto un figlio, mi sono separato, usavo quella fragranza. Oppure quella fragranza non la voglio più sentire perché mi ricorda una relazione non andata bene, una situazione faticosa. E per questo anche si cambiano profumi. Abbiamo una sensibilità estetica che è in continua evoluzione e per fortuna ci segue, ci accompagna, e quindi direi che sì, che profumarsi è un gesto di assoluta umanità. Grazie per l'attenzione. Se c'è qualcuno che ha delle domande.
Va bene. Allora ci possiamo fermare. Grazie. Arrivederci a tutti.